On voit sur les écrans le drapeau de peut-être changement d'adhérence au niveau de la pluie. Qu'est-ce que ça veut dire pour un technicien de pneus, les changements comme ça inopinés de pneumatiques? Écoutez, on est prêt, tout est prêt dans le stand au cas où la moto rentrerait à l'improviste en cas de pluie d'une averse ou quoi. A priori, ça a l'air de passer juste à côté. Pour l'instant, on s'en sort, mais bon, on n'est pas à l'abri qu'à tout moment, il peut y avoir une averse. Il y a des orages de prévus dans la région, mais bon, ça peut être à 5 km comme ça peut venir sur le circuit. On ne sait pas exactement, mais on est prêt. Alors, pour un pilote, c'est dur à gérer, une piste qui est moitié mouillée, qui est moitié sèche. Pour un technicien, le choix de pneus, c'est quoi alors? Comment vous faites? Là, en l'occurrence, si jamais il y a de la pluie, ça risque d'être un petit orage. Donc je pense qu'on va passer directement en pneus pluie. Après, ce qui est plus délicat, par contre, c'est si jamais ça sèche rapidement et tout, il faut changer de pneumatique au bon moment. Donc là, effectivement, mais bon, c'est quand même le pilote qui décide. Parce que nous, ici, on est dans la voie descente. On peut avoir une piste très sèche. Et puis si ça se trouve à la chapelle ou au garageur, ça peut être complètement détrempé, quoi.